Alors, enfants de Dieu, le message du jour est le suivant. Le Seigneur a placé certains d'entre vous dans des endroits stratégiques, d'accord, pour que vous puissiez acquérir de la connaissance du savoir-faire et de l'expérience, d'accord? Donc, c'est un endroit stratégique pour acquérir de la connaissance, pour être prêt pour la suite. Et la suite, c'est une position de leadership. Ça peut être ouvrir ton entreprise, ça peut être gérer une équipe, d'accord? Mais c'est vraiment une position d'influence. Donc, tu es dans une saison, certains d'entre vous, je dis pas c'est pour tout le monde. Mais si ça résonne en toi, c'est que c'est pour toi, d'accord? Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais certaines personnes, le Seigneur vous a positionné, d'accord, un endroit pour recevoir de la connaissance, acquérir du savoir-faire et de l'expérience, car il va vous positionner dans la saison suivante, dans une position en fait, hein, vous aurez une position, est-ce que tu me comprends? Vous aurez une position de leadership, une position d'influence, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, enfant de Dieu, c'est que le Seigneur nous prépare toujours avant de recevoir les bénédictions. Le Seigneur nous prépare toujours avant d'être positionné, hein, avant de passer au prochain niveau, à la prochaine dimension. Il y a toujours une saison de préparation, une saison de test avant la saison de manifestation des bénédictions. Moi, j'ai déjà dit que quand le Seigneur te bénit, il y aura des attaques. L'ennemi va essayer de te bloquer. L'ennemi va essayer, comment dire ça? Je viens de voler tes bénédictions, tu vois. Il va utiliser des gens pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc, le Seigneur doit toujours te préparer avant, d'accord, d'entrer sous ta terre promise, avant d'être dans ta saison de manifestation, avant de te donner ce qu'il t'a promis. Il y a toujours une saison de préparation et de test avant de recevoir, d'accord? Donc, comme je disais, le Seigneur a positionné certaines personnes pour acquérir de la connaissance, acquérir un savoir-faire et de l'expérience, d'accord? Avant de les positionner dans un endroit stratégique, une position d'influence. Enfant de Dieu, si le message est pour toi, ça a dû résonner en toi ou encore j'ai confirmé ce que Dieu t'a déjà dit, d'accord? C'est important de tout valider avec le Seigneur. Je t'ai dit ça, en général, quand le message est pour toi, ça résonne en toi ou encore le Seigneur t'a déjà dit ça et moi j'ai juste confirmé une nouvelle fois, tout simplement, d'accord? En tout cas, dans cette saison-là, c'est important. Chaque jour compte, d'accord? Chaque jour compte. Donc, sois discipliné. Tu ne seras pas motivé tous les jours pour faire ce que Dieu te demande de faire, mais en tout cas, sois discipliné et fais, d'accord? Fais. N'hésite pas à prier pour que Dieu te donne la force. N'hésite pas à prier pour que le Seigneur te donne la main dans tout ce qu'il t'appelle à faire aujourd'hui dans cette saison de ta vie, d'accord? Ça ne veut pas dire que parce que le Seigneur a prévu des choses pour toi que c'est facile. Mais par contre, il va te donner la force pour y arriver. Il va t'aider à te dépasser, à avoir le courage, d'accord? Pour que tu puisses être prêt avant de recevoir les bénédictions, avant de changer de niveau ou encore avant de changer de dimension. Tu as compris? Cette année, c'est la victoire, mais il y a des choses à faire. Enfant Comme de j'aime Dieu. le dire, enfant de Dieu, personne n'a le collier d'immunité. On n'est pas dans Koh-Lanta où on voit qu'il y a une personne qui va rater les souffrances, les peines et les douleurs. D'accord? On est dans ce monde en chute, donc il y aura toujours les peines, les souffrances et les douleurs, les malheurs et tout. Mais par contre, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous et que nous allons tout surmonter. Excuse-moi, je vais regarder la caméra en haut, mais nous allons tout surmonter avec lui, enfant de Dieu. Nous allons tout surmonter avec notre Père Céleste. D'accord? Nous allons tout surmonter avec lui. Dans l'état là, c'est pour la victoire, nous qu'à aller. Et puis, bon Dieu, la femme victorieuse, c'est la victoire avec le Seigneur dans tous les domaines de sa vie. Donc, nous allons réussir, enfants de Dieu. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur et notre cœur tourné vers lui, car cette année, c'est l'année de la victoire. Nous pas qu'à dormir, hein, dans l'état là, nous pas qu'à dormir. D'accord? On va tout recevoir, ok? On va tout recevoir cette année. Est-ce que tu es avec moi cette année? Oui!